Business with the guild, sir. Hard to do aught alone. Non, Barnaby, ça ira. J'ai pris les premiers pions, guerriers et rôdeurs que j'ai trouvés. Allez hop, la team des filles en avant. La prochaine fois, j'espère qu'il y aura un mec qui se pointera en premier. T'es sérieuse? Eh ben, voyez-vous ça? Eh ben d'abord je vais aller voir lui, puis après quoi, on ira là-bas, et puis voilà. Allez hop, on fonce! A fine castle, that. 'Tis nearly a fortress. Merci Korn pour ce genre d'informations. Et voyez là, mon endurance par contre, elle descend. Voilà, là je suis en train de m'épuiser, on le voit. Hein. Mais on va choisir la bonne, c'est juste qu'il... Oui, justement, on va esquiver, d'accord, hein, ce serait... voilà. Par contre, madame, veuillez mettre un pantalon. Voilà quoi, mais... Sérieusement, c'est quoi ce personnage qui se balade pratiquement sans pantalon? Enfin bref. Bonjour les Valjean, ici Valmar du présent par rapport au Valmar du passé qui est en train de faire le jeu là. Pour vous dire, pour tous les passages qui s'appellent les passages randonnés, c'est-à-dire où on doit parcourir plusieurs kilomètres pour atteindre notre objectif, ainsi que les combats buggés où j'ai eu des soucis, des choses comme ça, etc., vous seront coupés au montage. Comme ça, on ira directement à ce qui nous intéresse, parce que sinon on risque de se balader dans tous les sens, on va finir par s'embêter de ça, et toutes les parties où je tourne en rond sans vraiment avancer, ça aussi ce sera enlevé. Voilà, voilà. On va donc tout faire pour avancer à chaque fois que dans l'histoire. Voilà, ou du moins les histoires qui nous semblent intéressantes, parce qu'il y a des quêtes secondaires et tout, donc voilà. Donc bref, voilà, voilà. Donc je pense que j'ai tout dit, alors Bah voilà quoi, et soyez contents parce que là, niveau montage, je me fais un peu chier, alors oui c'est vrai, je mets qu'une image et je vous fais que causer là, mais dites-vous bien que à la base, j'avais prévu de vous faire juste un texte écrit, parce que ça me fait chier le montage. Là, j'ai plus de 5 heures d'enregistrement à monter, hein, en plusieurs vidéos de 15 minutes, alors au moins de 15 minutes, donc voilà. Donc vous pouvez comprendre que ça me fait un peu chier de rajouter du montage à chaque fois, donc voilà. Non, et puis vous savez quoi? Vous savez quoi? Juste parce que j'ai envie, là, je vais vous mettre un texte à la place. Voilà, c'est ça. Je vais mettre un texte et vous allez devoir l'accepter. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce qui se passe à ma voix? Non, 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 attendez, attendez, je plaisantais! We've arrived at the Duke's northern stronghold. Even the dragon's coming is not enough to unite men's hearts as one. Ransor and guards. So far from the capital. Korn, merci pour tes commentaires, mais on est en affaire, d'accord? C'est compris? The messenger brought word of Fornival's trial. More's the pity. He finished our arms at quite the favorable rate. We'll be as cats without claws, should he be kept from doing business. I do not know the man well, but I cannot stand idly by and see him come. Testimony given in person will carry more weight than a missive. Yet I cannot leave this place. Gray, take one of my men with you back to the capital. He will speak in my place. You do Fornival a service, sir. And us with him. I will send word ahead for a man to await you. Pray, speak to him directly. De mieux en mieux. Wow, wow, j'ai fait. Ok, donc le gars est bel et bien en haut, mais c'est juste que la carte n'est pas super bien faite à ce niveau-là. J'ai cru que t'étais dans le vide. I'm called Castor. Sir Dario has informed me of my duties. I'm thankful to have you accompanying me to the capital. Shall we be off? Ah merde. Pas encore. Pas encore, mon ami. As you wish, sir. I shall away. Pas en... Seems the Duke aims to ring all grances of his strongholds. Let's have a look at that rise in the land. There may be ought to harvest. Korn, t'es gentil avec tes commentaires, mais t'es surtout là juste pour me servir de baston si jamais il y a quelqu'un qui vient nous attaquer. Alors on va mettre juste
ici. On va mettre ce machin. Et voilà. Comme ça, je pourrais me téléporter à partir d'ici. C'est déjà une bonne chose. Voilà. Maintenant, allons voir le vieux. Après quoi, j'irai voir le marchand. Après, je reviens ici. Et après, on va à Kor. On va... Que de tristesse. Ça a été même présenté dans une cinématique, si vous voulez tout savoir. Alors, le vieux! T'as pas des quêtes? Edmund. Did you speak the name Edmund? 'Tis the name of the Arisen came before you. Ah, bon bah si jamais on entend parler de Edmund, bon bah voilà. Et bah utilisons maintenant nos trucs. Ah mais non, il faut être en extérieur. Sinon ça marche pas, c'est vrai. Oui, quelque chose est dessiné sur la colline. On sait déjà ça. Voilà. Utiliser. Et on va aller à Kasardis, notre village d'origine. C'est parti. Et voilà, j'ai bien fait d'avoir acheté plein de... J'ai bien fait d'acheter plein de transpires comme ça. Oh, mais c'est... In quest, eh? Cheers. I welcome the diversion. I know it is improper to say so, but you'll not deny the thrill of awaiting judgment. Though it's the rare trial that's not decided before it begins, if truth be told. Proofs are easily falsified. Testimony still more so. There's always someone with cause to want one outcome or the other, and the means to ensure it. Which brings me to a very special deal for you, friend. Writs of affidavit for sale at bargain rates. I've statements averring guilt or innocence. Quite the clever forgeries, these. They always sell well when there's an inquest on. And why not? Tis a heady thing to buy a man's guilt or innocence. If you've mistaken the trial's result, you'd be a fool not to. I'll disavow we ever spoke if asked, mind. The choice is yours to make. My prices ebb and flow with the tides of the trial. Still, tis a small price for justice. Non, pas maintenant. No interest, friend. Or just too proud to ask. Now, let us talk of business. You pourrais pas améliorer un peu mon matos? Non, non, non. Now, let us talk. Ah, non, now, attendez, peut-être tu peux peut-être améliorer l'équipement de Sarah. Well, now, let us pray, call again soon. Je ne vais pas faire de la facif de la... Ah. Je ne vais pas falsifier, voilà, les preuves. Place is fit to set the hairs on your neck to standing on end, hein? And with good reason. Qu'est-ce que tu fais là, Rodrigue? I thought to enjoy a quiet nip of the old spirits here, away from prying eyes, eh? But then, a fearsome rumble came from further yon. Against my better judgment, I went and stole a look. Can't let the likes of them loose on the village, I thought. So I stayed here to hold them back. Lucky thing I thought to sneak a drink. Mais j'ai déjà chassé les bestioles du coin, comment ça se fait qu'elles sont revenues? I'm well glad to see you, truth be told. I fear the beasts are beyond the means of this old man. Will you go and clear them out, cousin? Bien sûr. My thanks, and good luck to you. Don't leave a one of them alive. The path beyond is convoluted and dangerous. Here, cousin, let this protect you. Take care. Et le nid, mais on le connaît déjà, on l'a déjà trouvé. Un serpent. Alors, est-ce que j'ai quelque chose qui guérit contre la... le poison? Oui, j'ai ça, mais c'est un peu trop gros.
Guérison poison. Voilà. Je déteste les serpents. C'est vrai que normalement je suis censé allumer une lanterne, mais... Si je fais ça, on risque de se faire repérer. C'est pour ça que ça me dérange un peu de le faire. On peut vraiment remonter le truc? Bah non, je me disais bien aussi. Ah zut, je suis mouillé. Pas grave. Croyez pas, les chauves-souris aussi vous agressent. Mais il y a combien de ces sales bestioles? An animal carcass was the victim of a monster in his life. You'd best take care of him. Attends, je les ai déjà tous eus. À moins que le vieux m'ait menti, mais ça m'étonnerait quand même. Il mentirait quand même pas sur ce genre de choses. Ben, je pense pas. Attendez, ça. Ah, d'accord. Bah, malheureusement, si, ça va être le cas. Pas d'autre choix. Alors, on a nos copains les bestioles, mais avant de s'occuper d'eux... Aïe aïe! Équipe, venez vite! J'ai assez énervé tout ce beau monde. On appelle grand patron, c'est ça? Exact! Thank you.
faisait déjà qu'il soit mal. That's all. Barely worth the effort. Bon. Est-ce qu'on a bien détruit tous les œufs? On vérifie. Pas l'air d'en avoir d'autres par ici. Par là non plus. What's this? Non, non, vraiment, on a tout fait. Je vais prendre la viande des fois que ça peut servir. Bon, bah, je suppose que c'est terminé à ce niveau-là. Ça, il faut que je remonte, mais ça va pas être simple. Sachez-le, les bestioles peuvent repopper, hein. Donc, voilà, je vais te prévenir. Faites pas chier les rats et ils vous feront pas chier. The beasts are slain then? Ha! Joyful news! I will sleep easier, not having their like crawling about below the village. Here, it is a small token of thanks. Take it, my friend. Now to find another spot to steal a quiet drink. What to do in this quest?